c'est d'abord une ombre, furtive. La naissance d'une étoile, l'éclosion d'une artiste. À 8 mètres au-dessus de la scène, Uve s'envole. Cette jeune Suédoise a commencé son art il y a seulement 5 ans. Aujourd'hui, sa participation au festival est l'aboutissement d'un travail acharné, physique, technique et artistique. Depuis que j'ai commencé dans les arts du cirque, venir ici à Paris pour le festival, c'était mon plus grand rêve. Et maintenant que j'y suis, j'ai du mal à y croire. En coulisses, on jongle, on se contorsionne. Ils sont une centaine venus des 5 continents à espérer remporter la médaille d'or du meilleur numéro. Se produire ici, c'est aussi pour eux le meilleur moyen de lancer leur carrière. Pour eux, c'est extrêmement important puisque les 24 numéros qui sont là ont été sélectionnés parmi 500 candidatures. Et dans la salle, il y a tout ce que le monde du cirque et du cabaret compte. Et ils viennent un peu faire leur marché puisque ce sont des nouvelles créations qu'ils découvrent ici. 24 nouvelles créations pour lesquelles le public aussi peut s'émerveiller. 4 représentations sont encore prévues d'ici dimanche.